le gars a besoin de se refroidir. On a rien de mieux. Voilà, on vous a ouvert la porte. Merci de nous avoir sortis de là. Si mes calculs sont bons, il manque 3 morceaux à cette chose. Ok, ok, y arrivera. C'est bon. Je cherche un fiancé. Éclaté. J'ai oublié mes matas. Je suis en lune de miel. Wow.
Visiblement, ça espionne dur en ville. Jetons un coup d'œil. Bon, visiblement, le mausolée est la prochaine étape. Faut qu'on prenne une photo de cet indice. Ces preuves pointent en direction du mausolée. Recule, outil en roi. Défi accepté, le monstre! Vous avez vu mon frère? Il n'était pas là quand je me suis aperçu qu'il était parti. Vous le trouverez dans les mausolées. Et je ne peux pas y aller, il a déjà utilisé un pantalon ce mois-ci. En chemin, si vous tombez sur mon frère, s'il vous plaît, dites-lui de ma part qu'il ne me manque pas. Enfin, presque. Je vous en prie, continuez. Visiblement, il y a une petite fête ou quelque chose du genre. J'ai pas le droit d'y aller. Une fois, j'ai manqué la piñata. Je me suis séparé de mon frère et je me suis retrouvé au beau milieu. Depuis, je suis plus le même. Je vous ai ouvert le mausolée. J'ai bien fait, hein? En chemin, si vous tombez sur mon frère, s'il vous plaît. Pas mal.
fermé. On peut toujours jeter un coup d'œil. Hé, hey, vous deux! Pourquoi les fantômes sont des lâches? C'est parce qu'ils n'ont pas de tripes. Ah! J'adore celle-là! Visiblement, tout le monde savait qu'on venait. Restez sur vos gardes. Wow, cool! J'adore les spectacles! Tu crois qu'on y vend du pop-corn? Attrapez-les!
veux pas être pris dans les flammes. Reste en mouvement. Sandwich au ketchup pour moi, burrito dans la tronche pour toi. Attrapons-le maintenant. Ok, ok, y arrive. Au-dessus. Il est temps de voir qui est le réel fauteur de troubles ici. Le shérif ! Nous étions à la recherche de cet homme. Nous ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Pardonnez-moi. Je suis du service d'élite pour la répression des vrais faux espions ubuesques ridicules, qu'on appelle également les serveurs. Je suis un espion. Un espion ? Oh mon Dieu. Oui, comme vous adorez le pétrole, vous êtes notre premier suspect. Aucun étranger ne mettra la main sur mon pétrole. Mais après l'avoir aidé à emménager, je savais qu'il n'avait pas le temps de créer la marionnette zéante que vous avez vaincue. Donc le shérif voulait le pétrole? Et comment? Il s'est déguisé en mascotte de la Journée des Morts pour essayer de faire fuir Costington. Tu parles d'El Scariachi? On dirait qu'il a été plus effrayant qu'il ne l'avait prévu. Toute la ville est partie. Si, Costington fut plus coriace que les shérifs pensaient. Il est resté. Donc il était obligé de continuer son cinéma. Puis il nous a mis au trou et nous a fait accuser. Et je m'en serais tiré sans problème aussi, si vous n'aviez pas été là, sale fouineur. Bien, on dirait que cette affaire est bel et bien classée. Miam miam. Scooby-Dooby-Doo. Eh bien, on a tous des choses à faire. Oh ouais, c'est sûr. Vous préparez un mauvais coup. Je le sais. Toujours les mêmes. Oh là là, ça sent meilleur cette fois. Allons-y.
Depuis que le shérif est tombé pour trahison, nous avons emménagé dans la prison. Avec moi aux commandes de cette administration, la ville revient doucement à la normale. Esteban est mon adjoint, mais il aime penser qu'il est le shérif. Je le laisse porter l'insigne pour qu'il soit fier. C'est un simple d'esprit. Regardez mon insigne brillant. Regardez. Si vous regardez bien, vous pouvez voir votre reflet. Oh, joli. Et c'est moi maintenant le shérif de cette ville, sans cheval. Emilio pense qu'il est le shérif, mais c'est moi qui porte l'insigne. J'aime être le shérif. Parfois, je joue le bon flic, le mauvais flic, mais alors le mauvais flic me fait peur. Et Emilio doit prendre la relève. Aïe, cuidado, attention. Jusqu'alors, c'était moi qui dirigeais ce bled paumé. Si seulement il n'y avait pas eu ce Costington et son pétrole. Regardez-moi maintenant. Vous avez de la chance que je sois ici. Laissez-moi tranquille. Je sais ce que j'ai à faire. Vous avez de la chance que je sois ici. Regardez-moi, je suis le shérif. Ouh, quel bon insigne. Je suis le meilleur shérif de tout le temps. Prenez garde à vous, je suis le shérif. Aïe, cuidado, attention. C'est marrant, vous savez, Esteban est plutôt doué pour tenir compagnie aux prisonniers. Il a bien plus de conversations que moi. Moi, je suis plus dans la réflexion. Oui, il se débrouille bien. Mais lui répétez pas, d'accord? Je laisse Esteban porter l'insigne du shérif. Comme ça, il se croit important. En plus, cet insigne, c'est pas mon truc. Ça pique. Il est mieux sur lui que sur moi. Je suis chaud. Esteban et moi, enfin, surtout moi, allons nettoyer ces trous à rats. D'ailleurs, j'y pense. Je crois même pas qu'on ait de la mort aux rats. Hé, hey, Esteban, ajoute de la mort aux rats sur la liste des courses. Nigo. Oh, vous revoilà. Quelle catastrophe. Bonheur. Eh bien, je vous remercie d'avoir résolu mon... le petit problème de la ville. J'ai décidé de ne pas forer pour extraire le pétrole que j'ai trouvé dans le vieux cimetière. Après tout, j'ai assez d'argent avec Keystone. Il est inutile d'être si cupide. Je ne dois pas oublier mes horribles... merveilleux débuts comme majordome. J'ai également laissé Romero devenir majordome. Et il a depuis quitté le service d'élite pour la répression des vrais faux espions ubuesques et ridicules. Et il vit maintenant ici, avec moi. Je suis content, transporté, de vous revoir enfin. Je vais pouvoir souffler maintenant. Fini l'appât du gain. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Et souvenez-vous, je n'ai pas de téléphone. Si, c'est vrai. J'ai quitté le service d'élite. Et Costington a eu la gentillesse de me proposer une chambre gracieusement. Ah, j'imagine que tout a marché comme sur des roulettes, n'est-ce pas? Ah, ça me rendait malade de mentir de toute façon. L'heure est à la détente. Mais le serveur voudrait vous remercier officiellement. Donc, merci. Oui, c'est ça. Je vais pouvoir me détendre maintenant. Prendre mon temps. Déguster quelques piments. Parcourir les déserts, me relaxer, boire du jus de fruits, nager dans l'océan, lire quelques livres, vous voyez? Je vous adore, les amis! Si, vraiment! Quoi qu'il se passe, vous serez toujours mes petits maîtres!